Classé parmi les bons élèves de la riposte face au coronavirus en Afrique, le Gabon affiche tous ses indicateurs épidémiologiques à la décrue. Cette semaine, nous démarrons avec un pourcentage de 14,4%. Cela veut dire que les mesures barrières sont relativement respectées. Cela veut dire que les efforts gouvernementaux en matière de riposte contre la COVID-19 donnent des fruits. En matière de déconfinement, les inconnues scientifiques sont encore extrêmement nombreuses et les scénarios multiples. Pour les autorités sanitaires en charge de la gestion de l'épidémie, ce sera au gouvernement de décider. Nous voyons en effet une diminution progressive de la courbe épidémiologique de la COVID-19 dans notre pays, où la semaine dernière, nous étions encore à des pourcentages de 15%. Après le passage du chef du gouvernement Julien Kogebekale hier lundi devant les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat pour une prorogation de l'état d'urgence, la réponse à cette demande gouvernementale est fortement attendue.